Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance exceptionnelle d'être avec Marie-Lou et Étienne, qui nous accueillent chaleureusement dans leur petit coin de paradis en construction. ça faisait partie d'un de mes objectifs avec cette série de vidéos-là, c'est de rencontrer, oui, des gens qui ça fait quelques années qui vivent dans leur maison de rêve, mais aussi des gens qui sont en train de bâtir ce projet-là. Fait qu'on est vraiment content de vous avoir, on a très hâte d'en apprendre plus, non seulement de faire une petite visite de ce que vous avez construit jusqu'à présent, mais aussi de savoir un peu qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce projet-là. D'ailleurs, ma première question, c'est justement, qu'est-ce qui vous a poussé à faire un projet qui, on va s'en rendre compte très, très bientôt, là, est très innovant sur plusieurs plans? Fait, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce projet-là? Ben, une des premières raisons, c'était de vraiment, avec la conscience qu'il y a de la pollution dans l'environnement, d'avoir une maison écologique, d'avoir un impact positif autour de nous. Ouais. Mais il y a aussi l'aspect durabilité puis efficacité énergétique, donc d'avoir la maison la plus économique possible à long terme. Là. Ouais. Donc les coûts fixes, une fois qu'elle est construite, qui ne coûte pas cher. Okay. D'aller vers une indépendance financière. Ouais. Ça c'est une de vos motivations aussi. Une fois qu'elle est payée, la maison, dans le fond, c'est que les coûts sont minimes après. C'est vraiment d'atteindre une certaine liberté par la suite. De pas être pris à être obligé de travailler à temps plein à l'année longue, puis vraiment, tu sais, d'avoir une certaine qualité de vie, donc de réduire nos dépenses au maximum, puis de pouvoir profiter de la vie dans une maison vraiment super confortable. Ouais. On a vraiment gardé des coûts minimum. On s'est dit en budgétant que, tu sais, si on travaillait 7-8 mois par année, on était largement libre de pouvoir voyager le reste de l'année, ou si moindrement quelqu'un tombe malade ou se blesse, peut plus travailler, perd sa job, mais tu sais, juste une personne avec son salaire subvenait aux dépenses de la maison. J'ai convaincu Marie-Lou de vendre son condo à Montréal pour vraiment s'établir dans une maison écologique hyper performante en campagne, dans un milieu de vie de rêve. On se retrouve pour le même petit condo 4,5 qu'elle avait, pour même plus bas de coûts, de dépenses, d'investissement, à avoir cette maison-là. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait, il y a des dépassements de coûts, mais grâce à votre travail, hein, c'est grâce au fait que vous avez mis de l'effort là-dedans. C'est pas donné à tout le monde. Je veux dire, vous êtes committed. Là. Mais vous passez d'un 4,5 à Montréal à une vraiment belle maison. Et puis, on va voir le terrain tantôt, tout ça, les jardins, dans un beau spot où est-ce qu'à 2 minutes de marche, il y a un gros parc, puis tout le kit. Avec une maison haute performance écologique et tout ça. Le but de ce projet-là aussi, quand on est allé chercher la certification LEED, c'est un peu pour offrir... LEED platine, juste pour clarifier. Oui, on est en bon processus de pouvoir atteindre LEED platine. Cet objectif-là. Ouais. Mais c'était aussi pour me faire une carte de visite pour moi, pour ma carrière dans le futur. Ouais, ouais. Mais on espérait battre le score de Passevance, 0,6, on a atteint 0,78. OK. Fait que, vous avez frôlé une maison de cette grandeur-là, le technicien. De cette grandeur-là, faite par un autoconstructeur, raisonnablement, et non pas une compagnie d'expérience. Le fait que c'est en bois, le porteur, c'est pas de plastique. C'est ça, pas de plastique. Ouais. L'étanchéité se faisant par le contreplaqué en serrant les joints. On a réussi à atteindre cette étanchéité-là sans utiliser comme de plastique. Oui, c'est ça. Ce qui est vraiment, vraiment très impressionnant à ce niveau-là. Et pour les matériaux, on a aussi niveau recyclé de matériaux. Ouais, on a vraiment, ben à l'intérieur, on va le voir plus tard, on a un mur de briques qui fait 3 étages dans la cage d'escalier. Ouais. Ça, c'est des matériaux qu'on a récupérés d'une maison en démolition à Longueuil. QGG, recherche QGG, ça comme ça. Ouais. Fait qu'on a pu avoir cette brique-là. Oui, il fallait la travailler, il fallait enlever le bordier, c'est du jus de bras, mais après, c'est que ça nous fait un mur avec un cachet vraiment super qui fait une partie de la masse thermique à l'intérieur qui est vraiment intéressante. Ouais. On a cette même maison-là recyclée des vieux madriers qui faisaient carrément la structure du mur dans le temps, qui vont faire des éléments dans la maison, dans la cuisine, les marches d'escalier. Fait qu'un recyclage le plus possible de matériaux qu'on est capable, à différents niveaux. Il y en a d'autres aussi, là, j'en oublie, c'est sûr, mais... Au niveau autonomie plus alimentaire, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller avec ça? Ben, on a débuté par faire un gros jardin de 700 pieds carrés avec les buts Nogul Culture. Ouais. Fait que c'est quelque chose qui est en processus. On va aller le visiter après, vous allez pouvoir nous en montrer les détails. Marie-Lou en prend vraiment soin, puis elle commence à débuter d'autres petits coins de jardin. OK. Ensuite de ça, on a fait le design de la maison en fonction que peut-être qu'on pourrait ajouter une serre par la suite en façade sud, là, sous le balcon, la terrasse. Là. C'est quelque chose qu'on pourrait rajouter. Okay.
si on a envie. Sinon, c'est ça, notre jardin est... Il produit pas mal. Non, c'est un grand jardin. C'est la première fois que moi-même je fais un jardin de ma vie. Là. C'est donc, ça, c'est toi qui s'en occupe vraiment. Oui, ouais, on a beaucoup, on a l'aide d'une amie en début de saison pour l'organiser. Ouais. Ça nous a vraiment beaucoup aidé, mais c'est ça, on va apprendre d'année en année, là. C'est des essais pour cette année. Mais déjà, je veux dire, à chaque jour, je vais chercher des choses, puis pour moi, c'est Noël à chaque jour quand je fais ça, là, c'est vraiment trippant. Excellent. Toi, Étienne, à l'époque, donc avant que le certificat en design de bâtiment écologique existe, tu étais venu, tu avais fait un programme de super héros avec Sociodora, justement. Yep. Et par après, tu étais dans la conception, puis tu es venu faire au moins une fin de semaine. En tout cas, tu es venu aider un petit peu, tu es venu dans la formation du certificat. Qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça t'a aidé dans ton design de faire ben, ça à l'avance? C'est sûr que moi, j'étais vraiment dans le processus de recherche pour optimiser vraiment le design salaire passif, ça soit le plus performant possible. Ouais. Le cours avec Luc m'a vraiment aidé à figurer tous les ratios de pourcentage de fenestration par rapport à superficie de plancher, par rapport à pourcentage fenêtre au sud versus les autres façades. Mm-hmm. Ça a vraiment aidé. Puis on le voit vraiment que c'est performant aujourd'hui, les ratios fonctionnent, c'est pas trop chaud en été, puis c'est parfait, confortable en hiver. Fait que beaucoup d'exercices vont être extrêmement minimes là-dessus, ouais. Puis c'est quand même des super bons conseils aussi de design, de par soleil, de si on veut comment calculer l'ombrage. Ouais. Mais là aussi, bénéficier de l'enseignement en hiver. Là. Ouais, ouais. Donc, ouais, ça a été. Fait que c'est ce cours-là avec lui. Puis d'ailleurs, je me rappelle, tu étais resté un soir avec lui. Je me rappelle, j'étais à côté des autres, puis ça semblait brasser pas mal. Il y avait des choses qui se parlaient. Ouais, ça a changé depuis. C'est ça. Ça. Rendu à mon deuxième plan, je crois. Puis, tu sais, tout le monde me disait, waouh, c'est jamais de comme de défaut. Là, ouais, comme, tout est parfait. Moi, je suis assez excessif dans, ça se peut pas, là. Tout le monde me dit que c'est parfait. Ouais. Puis là, ben, j'ai posé la question à Luc. Je dis, ben là, Luc, tu peux pas là, que tu me dises que c'est bon, là, je veux dire, architecte de ton expérience, moi je suis débute dans le métier. Trouve-moi une erreur, là. Là, finalement, il a déballé son sac, puis on a revu tout le design, mais ce qui a fait en fonction aussi de revoir vraiment tout le design, c'est qu'on s'est aperçu par la suite que le terrain était vraiment plus en pente accentuée que ce qu'on planifiait au départ. Là. Mm-hmm. Donc ça a fait que ben on a coupé le garage, puis on a fait un sous-sol au lieu, puis que là, ben, on a pris les conseils de Luc pour refaire notre plan une troisième fois. C'est ça. Très cool. Merci beaucoup, Marie-Lou et Étienne. C'était vraiment extraordinaire de vous avoir. On est prêt pour la visite? Oui. Yes. Allons-y. Cool. Merci. Ma première question est plus autour du design. Je sais que vous avez mis beaucoup de temps. Toi, tu as fait plusieurs plans différents, améliorés. Là, vous êtes arrivé sur le terrain, il a fallu rechanger d'autres choses. Donc, c'est quoi votre plan général ici sur cet étage-ci, puis les différents étages? Là? Ben, en fait, c'est d'avoir une aire de vie ouverte qui donne au sud. Ouais. Si on veut, sur un contexte de conception bioclimatique, c'est ça, on a mis les pièces d'aire de vie au sud, avec au nord, ben, une petite pièce bureau lors de l'entrée, puis une petite salle de bain pour faire comme les zones de tambour. Pour vraiment les zones profiter. De tambour du côté nord. Ouais. C'est ça. Donc là, on a vraiment focusé à vraiment peu de corridors, peu de paires d'espace avec l'escalier qui est central, qui donne sur un petit corridor en haut, qui en fait relie les trois pièces du haut, là, deux chambres puis la salle de bain. Donc on a deux chambres en haut, une salle de bain, c'est tout en haut, puis un tout petit corridor. Puis le juste balcon de la mezzanine qui se donne ici. Là, qui vous donne une super belle ouverture, deux grosses têtes au sud qui frappent directement sur le mur. C'est le côté spectaculaire qu'on voulait avoir dans notre maison, là, d'avoir des hauts plafonds, puis d'avoir cet espace-là mezzanine qui, comme tu dis, là, qui donne vraiment beaucoup de luminosité, puis qui, en hiver, donne accès aux rayons du soleil de pouvoir réchauffer le mur de briques derrière. Là. C'était un autre de nos concepts, c'était de focusser sur vraiment l'ajout de masse thermique dans la maison. Ouais. Donc là, toute cette brique-là, c'est une maison qui a été démolie à Longueuil, qu'on a tout recyclé. Puis que le mur de briques part du sous-sol jusqu'au deuxième étage, puis qui fait face côté sud, donc qui est très ensoleillé en hiver vu que le soleil est plus bas. Là. Clairement. Pour économiser les coûts, les dépenses de la maison, on pourrait avoir séparer le sous-sol. Puis on a tout prévu, canalisation, pour acheter une cuisine.
salle de bain, laveuse sécheuse supplémentaire. OK. Fait qu'elle pourrait être indépendante au complet. Complètement, oui. Puis ça serait vraiment un super appartement, quand même 4,5. Super lumineux, là, parce que 4,5 de luxe. Ouais. Vu que c'est un sous-sol, mais que c'est raide-jardin, super fenestré côté sud. C'est vraiment un bel espace de vie. Nous autres, tu sais, on vit là-dedans depuis cet hiver, mais c'est quand même très confortable. Clairement. Ouais. C'est quand même évolutif dans le sens que pour ça, si on veut se rendre là, il faudrait quand même avoir un espace d'atelier à l'extérieur. Parce qu'en il y a une autre chambre en bas aussi, il y a deux chambres en bas. Oui, c'est ça. Il y en a une, c'est la chambre de vélo. OK. Ah oui, vous avez besoin de ça là, parce que vous faites beaucoup de sport. Oui, c'est un espace de rangement. Ouais. Ouais. Fait que là, éventuellement, peut-être que vous auriez un espace extérieur pour si regarder ça. Si on était pour séparer ça, puis plus avoir accès à un endroit. Ouais. On s'est donné plusieurs options. T'sais. C'est sûr, on pense aussi au niveau intergénérationnel. T'sais, nos parents, idéalement, s'ils peuvent vivre avec nous au lieu de les envoyer dans des centres pour personnes âgées, ils seraient bien heureux, ouais, c'est ça. Puis cool. Nous aussi, t'sais, avec les enfants, les faire vivre reliés l'un ensemble, grandir ensemble. Une grande tribu multigénérationnelle. Mm-hmm. Cool. Mm. On va analyser un petit peu plus de l'extérieur, votre magnifique maison en devenir. Je suis curieux un peu de savoir un peu les matériaux qu'on voit là, okay, pour parler de l'extérieur, mais aussi qu'est-ce qui s'en vient. C'est bon. Ben là, ce qu'on voit en ce moment, c'est panneaux en carton fibre Excel. C'est fait à 100% de fibre de bois recyclée. Mm-hmm. Puis ça a la double fonction de contreventement, mais aussi le pare-air, donc la membrane qui protège. Complète, fait que c'est scellé comme tel, on le voit là avec les tapes. Ouais. Compagnie québécoise. C'est ouais, puis c'est fait ici localement au Québec. Mm-hmm. Les autres détails, mais là, la terrasse qui est en construction, c'était la priorité de faire ça pour les joints de toiture de la construction pour créer vraiment une bonne étanchéité aux jonctions. Toit-mur. Okay. Donc, c'est la priorité de terminer la terrasse. Ensuite de ça, on va faire le revêtement extérieur, qui va être un revêtement en cèdre pour vraiment une grande durabilité. Là. Le cèdre qui est ce qui est le plus résistant comme essence de bois pour le revêtement extérieur. Donc, un peu plus cher, mais quelque chose de durable qu'on n'aura pas besoin de refaire avant 50 ans et plus. On voit aussi d'autres détails. Là. Dans le fond, on a vraiment pris soin de conserver le plus de végétation près de la maison pour être vraiment le plus possible à l'ombre. Là. C'est vrai. Pour l'été. C'est tout des feuillus, bien entendu. Ouais, ça, ce qui fait que l'hiver, ils perdent tout, puis le soleil rentre. Puis, puis tantôt, on est arrivé ici, puis j'étais vraiment surpris, agréablement surpris. Là. Il faisait quand même très chaud. Puis on voit qu'il y a du soleil parce qu'il est en train de se coucher, fait qu'on il se rend jusque-là. Mais sinon, tantôt, quand on dînait, c'était vraiment tout à l'ombre. Là. Mm-hmm. C'est vraiment cool. Ça fait une différence considérable. Aussi, juste avant de vous quitter, par contre, je vais absolument aller voir votre jardin qui a l'air très abondant. Fait que tu vas venir me montrer ça, Marie-Lou, et Étienne, si tu peux. OK, cool, allons-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'on a du plaisir? Qu'est-ce du plaisir, vraiment. C'est une découverte pour moi cette année. J'avais jamais eu de jardin. Fait que c'est des expériences en même temps. Il y a des choses qui fonctionnent super bien, d'autres qu'on va apprendre de nos erreurs puis s'améliorer pour l'année prochaine. Mais ça a été prévu dès qu'on a remis le topsoil sur l'ensemble du terrain, c'est-à-dire au printemps. Ouais. Au mois de mai, on a prévu des buts de algal culture, comme Étienne mentionnait tantôt. Ouais. Puis ça, ce que c'est, l'algal culture, c'est on creuse des tranchées, on met des gros bouts de bois qui pourrissaient, en tout cas, qui vieillissaient sur notre terrain depuis toute l'année, des arbres qu'on avait coupés l'été précédent. Ouais. Donc, on met ça dans le fond des rangées. Ensuite, la brindille, des feuilles mortes, de la paille morte, de la paille qui est séchée. On a recouvert du topsoil qu'on avait nous. Par-dessus, puis ensuite, on a mis de la terre vraiment fertile qu'on a commandée du coin. Là, fait que tu as quelque chose de vraiment fertile sur le dessus, puis en dessous, tu as ça qui pourrit, qui produit la chaleur et qui se décompose tranquillement. Qui se décompose, qui crée un sol fertile année après année, en fait, qui garde le sol fertile, même si on cultive quand même assez abondamment, puis de façon serrée. Merveilleux, j'adore. C'est vraiment inspirant. Ouais, merci.